diffusée depuis 2019 sur France 3, l'émission La Boîte à Secrets est un véritable succès. Le programme présenté par Faustine Bollaert est basé sur un principe simple, des personnalités publiques présentes sur le plateau, ouvrent une petite boîte qui contient un objet censé rappeler un événement de leur vie. Elles reçoivent ensuite la visite d'un proche qui vient chanter une chanson lourde de sens. Ce vendredi 7 mai 2021, c'est Carla Bruni et Patrick Fiori qui étaient invités dans l'émission. Si l'ancienne première dame a eu la surprise de voir Mimi Mathy lui faire une jolie déclaration en chanson, Patrick Fiori a quant à lui eu la chance de voir Pascal Obispo interpréter l'un de ses tubes. Ce dernier a en effet débarqué sur le plateau en chantant « Que tu reviennes » avec simplicité, s'accompagnant au piano. L'adaptation de Pascal Obispo a littéralement séduit Patrick Fiori qui s'est empressé de faire quelques commentaires. C'est là où il est fort, c'est que j'ai l'impression que c'est sa chanson, a-t-il lancé avant d'ajouter. Il a une telle faculté d'adaptation, c'est Pascal Obispo, c'est-à-dire que la chanson qu'il va chanter, déjà, merci pour le cadeau, on a l'impression que c'est lui qui me la propose, qu'il me dit qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? Je peux parler un petit peu? Heureux d'avoir réussi sa prestation, Pascal Obispo a pris la parole à son tour, c'est très agréable de chanter ses chansons. Je ne les chante pas comme lui évidemment parce que… a-t-il tenté avant de se faire couper par Patrick Fiori. Mais on s'en fout de ça, c'est pas grave. A déclaré le chanteur corse. Agacé, Pascal Obispo a alors répondu, faut dire les choses quand même. Je peux parler un petit peu? Arrête. Je suis invité, j'ai le droit de dire ce que je veux. Je suis ravi de t'avoir fait cette surprise, j'ai fait ce que j'ai pu et Patrick Fiori de conclure avec le sourire, je me suis régalé. C'était super. Il sait prendre une chanson, la mettre à sa sauce, et ça devient du Obispo, elle est là sa force. Et ça lire aussi Adblock Test, why?